Welcome to the first Focal Point Forum that Smart Africa is hosting with you, the incredible teams that make it possible for the work of Africa's digital transformation to take place. One day break last week, it was to set Smart Africa's flag on the moon. À Kwaba, en Côte d'Ivoire, chez vous. Nous, au secrétariat de Smart Africa, avons pour objectif de stimuler la discussion et renforcer la collaboration et d'encourager l'apprentissage par les pairs avec nos pays membres et nos régulateurs qui sont essentiels dans cet écosystème. Nous sommes tous réunis ici aujourd'hui parce que nous partageons une grande vision pour notre cher continent qui est l'Afrique, la vision de transformer l'Afrique en un marché numérique unique qui doit être atteint pour s'assurer que notre continent puisse mettre fin à la pauvreté, réduire les inégalités et écrire une nouvelle histoire, celle de la croissance, de la résilience et du succès pour les générations à venir. The World Bank is also working on online courses that would be accessed by regulators and policymakers within Africa. So this means that you would adapt regulations to fit the context and emerging digital technologies. C'était quand même des discussions très enrichissantes parce que ça nous a permis de voir les réalités de chaque pays et de savoir comment est-ce que nous pouvons nous positionner pour vraiment mettre en œuvre cette vision qui est d'avoir un marché unique du numérique en Afrique avec Smart Africa. C'est une bonne initiative et nous encourageons Smart Africa et nous encourageons les différentes parties prenantes à s'impliquer pour que notre continent puisse être à la hauteur et à l'heure des attentes de nos populations. Smart Africa l'a compris, nos dirigeants aussi l'ont compris. C'est ensemble que nous devons atteindre les objectifs de développement durable.